Fini les tracasseries de la route pour les soins radiologiques. Enfin, l'hôpital provincial de l'Aïe dispose désormais d'une radiographie. Cet équipement numérique fixé sur un plateau permettra aux patients de voir sur un écran de façon interne les anomalies et les fractures des os. Cet appareil numérique de dernière génération peut faire tous les examens tels que la neurologie, l'échographie et autres. Pour le délégué provincial de la santé publique et de la prévention de la tendinite, Dr Adibera Jean-Baptiste, par ailleurs présent du conseil d'administration du hôpital, ce projet de doter l'hôpital provincial de l'Aïe a été priorisé lors du dernier conseil d'administration. Très ému de voir cet appareil de dernière génération dans sa circonscription, la gouverneure de la province de la Tondjilé, Ildim Abdraman, a insisté sur l'entretien et la maintenance de cette machine pour un fonctionnement à long terme. C'est une fierté pour nous d'avoir ça dans notre province et je souhaite donc que vraiment notre population soit rassurée que désormais elle a un appareil de pointe qui peut détecter toutes les maladies qu'elle aura dans le corps. Ce qui nous manque au Tchad, beaucoup, c'est la maintenance souvent. On néglige cet aspect et en rien du tout, l'appareil peut s'arrêter. C'est ça qui serait dommage pour nous. Sur place, deux essais ont été effectués. Les résultats ont été imprimés sur un cliché numérique et analysés par le docteur Adibela Jean-Baptiste.